Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Emmanuel Dieu avec nous. Emmanuel Zambé Nabiso. Togumbambeli. Nous nous humilions devant toi.
Nous nous humilions avec toutes nos trois entités devant toi. Et nous témoignons que tu es Dieu, il n'y a pas pareil que toi. Tu es le créateur de toutes choses. Le commencement et la fin. Obandi et Bandeli. Tu as commencé le début. Yonso ezana se yanguyana. Tout est en dessous de ta puissance. Natangi na makomi. Je lis dans les Écritures. C'est l'ensemble. Tu es ensemble. Oseki batuya mokili. Tu t'es ri des hommes. Papa. Père. Toyeli susui pa na yo. Nous voici encore devant toi. Mokeli a yonso. Le créateur de toutes choses. Yo yo nanguya liloba na. Toi qui soutiens toujours par la puissance de ta parole. Toye pa na yo. Nous voici devant toi. Lobela biso. Parle-nous. Pambola biso. Bénis-nous. Simba biso. Touche-nous. Bikisa. Guéris. Kangola. Délivre. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Tegete liloba na yo et simba mutema na biso na tongwa. Laisse que ta parole touche nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Christ. Sambeli. Avant de prier. Amen. Alléluia. Amen. Na yeli binom bote. Na kombo na Yesu Masia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Misiko zali. Là où tu es. Na lobe kimia ya Yesu ezala partage na yo. Je déclare que la paix du Seigneur Jésus soit ton partage. Na kombo na Yesu Masia. Na au nom de Jésus-Christ. Na banaki na banzi pona ba balandinyo bazola na biso fidèlement. Pour tous nos téléspectateurs. Na lakaki biso ke tozo loba na tina oyo etali racheté pour être exempté. Je nous avais exhorté que nous parlerons sur de ce moment qui peut te tient ma pembe. Et sansoyo eza sansa na biso ya exemption. C'est mois de d'avril notre mois ya ko tient ma pembe aussi. C'est tout à fait normal. Eza na mo malam toyeba. Que nous sachions. Oyo nini zambe na biso alobi na makomina tina na biso. Que dit le Seigneur à notre propos dans ce culture. Surtout na ngonga oyo tozoleka. Na en ce moment où nous traversons. Alobi na makomi. Il a dit dans les Écritures. Makamo yonso ekomami na makomi. Tout ce qui est écrit. Ekomani po esalbi biso atanke indakisa. Tout ce qui est écrit dans les Écritures, c'est pour nous servir en tant qu'exemple. Il n'y a rien de nouveau sous la terre. Crise économique est bétami avant. Crise économique donc aux anges oh ici y a qu'à l'ibosso. Ma peste banine est salami avant. Mi papa ma belle le lengue y a qu'à. Mais na kati a nyonso. Mais en tout cela. Batu moko. Il y a un peuple. Bazalaki exonoré exempté. Oh batiama ki pembeni. Na ebandeli ya matea oyo. Au début de cet enseignement. Na fait biso comprendre. Je nous ai fait comprendre. Signification y a exemption. Qu'est-ce que signifie exception ou exemption? Que esa exception de Gaudico Loba, esa exonération, exclusion. C'est-à-dire comité pembeni à part. Amen. C'est être mis à côté, côté ma pembeni par rapport à une situation quelconque. Alléluia. Amen. Et esa droit nabiso. Et c'est notre droit. Tomoni na makomi. Nous avions vu dans les Oyo ilobazambe tazi biso ke ekomami pour servir biso atanke ndakisa exemple. Nous avions vu des exemples dans la parole de Dieu nous concernant. Liwa ekoti na mboka. La mort avait infiltré la peste ekoti. Les pestes. Makambe bele bele. Tant de fléaux avaient frappé le pays de Batumoko bazalaki exempté. Mais il y avait une catégorie de gens qui étaient mis à part. Batumoko bazalaki exonoré. Il y avait une catégorie de gens au Batama qui pemben. Et l'okwana et simba qui bangote. Tous ces fleurs ne leur avaient pas atteint. Le sambo nanga. Ma prière. Zame nanga abate la yo nanga. Que mon Dieu te préserve en ce moment. Abate la libota na yo. Qui protège ta famille. Okota na liste ya batu bakoza la exempté na ngonga o etozoleka. Que tu sois listé parmi les gens qui seront mis à part. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kolinga totanga. J'aimerais que nous allions dans les Écritures. Matthieu 24 déjà tout tangi. Nous avions lu plusieurs fois Matthieu 24. Oh, yes, là où Christ il y aura la guerre.
nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des familles, il y aura des tremblements de terre, il y aura des pestes calamiteuses, des épidémies. À l'Obéango dans Matthieu 24, à partir de verset 6. Nous avons ces sons des prophéties bibliques. Tout ça, et ça va m'accomplir. Oyo, ils ont coupé sa manlelo. Qui s'accomplit en un jour. Alléluia. Amen. Maintenant, si quoi yo? Tozo koba. Nous allons continuer. Na, Esaïe 60. Dans le livre de Esaïe, du prophète Esaïe. Voilà. À partir de verset 1. Dans le livre d'Esaïe, chapitre 60, verset 1. Esaïe 60. Oui. Esaïe, chapitre 60, à partir de verset 1er. Version Darby. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Voilà. Verset 2. Car voici, les ténèbres couvriront la terre. Et l'obscurité profonde les peuples. Alors, mais car voici, les ténèbres couvriront la terre. Tout ça, ce sont des prophéties bibliques. Car voici, les ténèbres couvriront la terre. Et l'obscurité profonde les peuples. Mais sur toi s'élèvera l'Éternel. Et sa gloire sera vue sur toi. Alléluia. Les ténèbres couvriront la terre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des accomplissements prophétiques. Mais dans Matthieu 24, il ne soyez pas troublé. Mais malgré tout ça, Jésus nous a dit dans Matthieu 24, toninga na teto banga. Alors, ce n'est que le commencement. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Yangbangolu ya persévérance. Reçois la grâce ya kokobati na suka. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que Jésus revient bientôt. Yesu azozonga kalate. Il revient bientôt. Eza sola zoya kala mingite. Alléluia. Amen. Yangwana ifo mutu na mutu azonga nzela na zambe na ye. Ainsi que chacun revienne sur le droit chemin avec son Dieu. Zonga nzela na zambe. Reviens dans le droit chemin avec Dieu. Parce que Pwete. La fin est proche. Pwete suka ebelemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Version Lingala. Yahweh alobi boe. Yerusalem et telema. Ngenga makasi. Bambate moi etanelio. Kembo nangai engengelio. Verset 2. Molili ezipi mokili mobimba. Ekangi bikolo nyonso. Kasi ngai Yahweh nabimelio. Kembo nangai ezali kongengela yo lokola moyi. Alléluia. Amen. Ozomona, ce sont des accomplissements prophétiques. Ezabo kokisami ya lisakoli. Yesu alobi, ce n'est que le commencement de douleur. Jésus-Christ a dit, ezakaka ebandeli ya pasi. Mais ne soyez pas troublés. Kasi tobanga te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout cela, il y a des gens qui seront épanouis. Na mipepe nyoso ezana bato moko bakotama pembeni. Exempté. Alléluia. Amen. La méditation de l'Élo na tangi Somme chapitre 2. Na kusepela to tanga ngo elongo. Omona ce qui se passe. Atazambe azo seka na place avant di azo seka biso. Pendant que je méditais ce matin, j'ai lu Somme 2 et je vis Dieu rire dans ce passage là. Somme chapitre 2 verset 1. Somme chapitre 2 verset 1er. Voilà. Version Darby. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Et les peuples méditent-ils la vanité? Voilà. Verset 2. Les rois de la terre s'élèvent. Et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Ok, contre l'Éternel et contre son oint.
Continue. Verset 3. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Verset 4. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Il est au contrôle de Konalobi. Il est au contrôle. Il est Dieu. Il est le créateur. Aza propriétaire. C'est lui le vrai architecte du monde. Continue. Verset 3. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. 4. Celui qui habite dans les cieux rira d'eux. Et le Seigneur s'en moquera. Verset 5. Alors il leur parlera dans sa colère. Et dans sa fureur, il les épouvantera. 6. Et moi, j'ai oué mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. 7. Je rencontrerai le décret. L'Éternel m'a dit, tu y es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. 9. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. 10. Et maintenant, ô roi, soyez intelligents. Vous, juges de la terre, conseil gratuit, recevez instruction. 11. Servez l'Éternel avec crainte. Conseil gratuit. Et réjouissez-vous avec tremblement. Voilà. 12. Baisez le fils des peurs qui s'irritent. Voilà. Et que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. Bienheureux tout ce qui se confie en lui. Alléluia. Amen. Il est assis sur le trône, il regardait la terre, il s'est moqué. Pourquoi toutes ces choses? Tout cela est écrit dans sa parole. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de craindre quelque chose. Ce qui est prince de paix na kati ya mutema na yo. Ce qui est mokonzi qui meurt dans ton cœur. Quoi qu'il arrive dehors ici. Qui meurt qui est dans la partage na yo. Tu seras tranquille. Yango alobi, ne soyez pas troublé. Voilà pourquoi alobi ko banga te. Alléluia. Amen. So, oui. Sans aoyo, en ce mois d'avril, et singeli, il faut toyer par certaines vérités. Il faudrait que nous sachions certaines que vérités. Dans tous ces troubles, il y a des gens. Ils ont un bateau. Oui, bah, ont droit à exemption. Qui ont le droit à côté ma bébé. Parce que et bandit les lotés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas la toute première fois. Salama. Ça s'est déjà et passé. Dans la Biblia. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ndakisa. Comme exemple. So, il y aura toujours des exemptions. Et côté ma bébé. Voilà pourquoi nous avons commencé à lire. Bah, instrument. Nous avons commencé à voir. Mystère du royaume. Bah, instrument. Les instruments. Que nous pouvons utiliser en ces temps-ci qui peut nous mettre à part. Le mystère de l'huile d'onction. Nous avons vu le mystère de l'huile d'onction. Même la parole de Dieu dit que ne touche pas à mes oins. Ata quoi que ce soit, babiloko ezo tambola na mupepe nini kangazo le tout ça. Peu importe ce qui circule dans l'air. Et l'obi ne touche pas à mes oins. Le sens de que tu dis que Simbaba Oyangate. Alléluia. Amen. Et aussi, tout le mystère du sang de Jésus. On a aussi vu Maboma Mia Makila na Yesu Christo. Dernièrement, totali, ils l'ont vaincu à cause du sang. Tout mon inquiète est longa qui est pour Namakila na Yesu. Et à cause des paroles de leur témoignage. Alléluia. Amen. Balonga qui. Ils avaient vaincu. Namakila na Yesu. Par le sang de Jésus. Namaloba na munoku na bango bazo sakola. Et les paroles dans leur bouche qu'ils prophétisaient. Nasina la mukina tonga lelo nasina na sakoli ya denge ya denge. Depuis le matin lorsque je me suis réveillé, j'ai libéré des paroles dans l'air. Parce que je sais que les paroles sont esprit et vie. Amen. Et c'est l'esprit qui vivifie la chair pour faire de rien. Sotomoni dernièrement. On a vu la fois passée l'impact du sang.
ce que les sons font. Les sons de Jésus. Ancien Testament. Nous avions vu depuis l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Jusqu'au Nouveau Testament. Jésus a pris un verre. Il a élevé. La nouvelle alliance dans mon sang. Que versez-vous? Faites ceci. À ma mémoire. So, après ce maquila, il nous a donné ce sang. Et Hébreux 12 a lobi. Hébreux chapitre 12 a dit, les sons de Jésus parlent mieux que les sons d'Abel. Maquila na Yesu elobaka mongongo makasi koleka Abel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nazokoba. Lelo lisusu tokende liboso parce que na lobaki na ebandeli ya enseignement ya ba mystère du royaume oyo. Atant que ba instrument pona ko epanwe biso pona ko exonoré biso na ba fleur oyo na lobi les mystères du royaume, ce sont des vérités cachées que Dieu nous a données pour nous épanouir des misères de la vie. Au début de cette série, j'avais dit que ma bombe mito a mystère du royaume et ça oh ça ma pesi biso peut être longo la biso na bombe ou na pas ya mokili. Alléluia. Amen. Te bandi lui donc son témoignage makila na Yesu. On parle de lui, donc si on veut parler du sang de Jésus. Aujourd'hui, le mystère de la communion sainte-sainte. Nous allons voir le mystère de la sainte-sainte. Bien-aimé, la révélation et mon Iseli des mères, il y a révolution. Et là où il y a la révolution, et si comme vous regardez bien, il y a toujours des résultats. Révélation est une kamutu a révolté révolution et révolution et bout sa kaba résultat. Et moni seli même kamutu a funga masumu ta funga mi a simbi. Assembly aussi sur la révélation ya communion ya nzoto na ina makila nae. Je prie que tu comprennes le mystère de son corps. Ba expert en religion ba bombe libiso ba mabam mabam ma. Ma bomba mi oyo baba mystère oyo ba bombe libiso efficacité nango ba pesi biso religion to komi ko sala religion mais tozo yebate eloko nini tozo sala oh eloko zambi a pesi biso eza pomoi amen eza transformatif eza surnaturel amen batabiyamba ba bombe libiso toutes ces vérités ils nous ont légué que l'apparence, pendant que ce sont des mystères qui peuvent changer, transformer des vies. Yango alobi. Voilà pourquoi il a dit. Dans Luc 11, 52, vous avez le clé de la connaissance. Vous n'entrez pas. Et ceux qui voulaient entrer, vous les empêchez. Malheur à vous, experts de religion. Yesu atali, batabi ya malobi, mawana bino baye oyo boyebi. Par la Sainte Seine, j'ai vu plusieurs miracles dans la vie du peuple de Dieu. Groupe sanguin yabatu échangé même yabana. Je vu des groupes SS paluki et komi A. Ce qui était des SS devenir A. Des miracles extraordinaires. Puis quand moi somme penza VIH et disparaître. Même le VIH sida disparaître dans le sang de gens. Des miracles, il y a dengue, il y a dengue. Et comme moi, il y a coléka. Et ça acte religion té. Et ça li musale abiyamba té. Et ça mystère. Et ça ma bombe. Bona ko kangola yo nanga na ba misère de la vie. Oye kangola kabiso de misère de la vie. Netio yo coléka mukoloyo. Comme ce qui se passe en ces derniers temps. Je veux même pas le glorifier. Alléluia. Amen. Tous ces mystères vous ont été donnés. Et puis ça me libisso. Nangonga, il y a des défis. Pour des moments de défi. On attend que Bitumba, tu le prends. Au monde à l'oboko yaza. Et tu verras la main de Dieu. Nanto banda pati à livre de Jean. Ou bien tozonga encore na exo. Tu bandi déjà lobi. Tango dernièrement matière nanga dernièrement. Tobanaki Natalis bisona Exode chapitre 12 sambende ayebisi Moïse. Moïse va dire aux enfants d'Israël chaque famille a zoa anion
son tâche mal. Baboma, bali anzoto, bazwa makila, bachena ba, lentil, ba finet, port, yandako. Abi molimu ya liwa ekoleka, tangwa kumuna makila, akosima bangote akoleka. Basali communion, de même basali aspersion du sang. Mais ce que vous avez dit, c'est que la parole de Dieu nous a dit, depuis que la communion, 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert, personne s'était affaibli. Personne n'était malade. Oh, ma chalamando sopronika palate kalika pula santa. Zambe na bango. L'aide de Dieu, c'est aussi notre Dieu. Mututé abelaki. Personne n'était tombé malade. Mututé alembaki. Personne n'était affaibli. Zaki makasi. Ils étaient forts. À cause de la communion. Pour à cause de la communion. Zoto ya Yesu. Le corps de Jésus. Namakila na ye. Et son sang. Et comme une zoto na bango. Était devenu leur corps. Namakila na bango. Leur sang. 40 ans dans le désert. Mula ebele na kati sobe. Naba climat mabe. Avec un mauvais climat. Nase ya eta condition mabe. Et dans de mauvaises conditions. Ils étaient forts. J'ai prié pour toi. Toi aussi par cette communion. Reçois la force. Reçois la vie. Au nom de Jésus Christ. Si tu as dit dans Exode, si tu as dit dans Exode chapitre 12, à partir de verset 1 à 4, à 16, après ces instructions, au salaboy, tu as dit que tu as dit que tu as gagné mon temps. Nous avons vu ça dans Exode chapitre 12 que Dieu avait donné à son peuple des instructions concernant ces dons. Pardon. Tant qu'on y a toujours participé à la communion, quand nous participons dans la communion, il y a un zoto ya Yesu, du corps de Christ, na makila na Yesu, et de son sang, Ndeko, bien aimé, nous avons participé à la vie véritable de Jésus Christ de Nazareth. Toujours lié pour moi, il y a Yesu, il y a solo solo. Son corps devient le vôtre. Zoto na ye komi ayo. Son sang devient le vôtre. Makila na ye komi makila na yo. Et loko ekoko vanda te na zoto na ina makila na ye kuvanda te na zoto na ina makila na ye. Ce qui ne peut demeurer dans son sang et dans sa chair ne demeurera pas dans voilà l'autre. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, mon peuple à moi, mon peuple à moi, bato nangai, bato nangai, sont détruits. Bakufi péri bazokufa à cause des manques de connaissances. Pote bazangi bo sosolito mayele bami ebité. Ils ne se connaissent pas. Daniel a dit dans le livre de Daniel Nabuko yakomaki, il a dit ceci. Alobi boy ba oyo ba yebizambe na bango, ceux qui connaîtront leur Dieu, bakozala makasi, ils seront forts et bakozala ba espoir et feront des exploits. Yamba makasi lelo, reçois la force aujourd'hui. Yamba bomoi, reçois la vie. Yamba makasi, reçois la force. Espoir ezala partage na yo. Yamba le sous celui qui a au nom de Jésus na kombo na Yesu Christ. Tomonaki na enseignement ya la fois passée, nous avions vu dans Matthieu avec l'équipe Jésus a dit, Jésus Christ a dit, dans Jean 14, dans Yohane 14, verset 6, verset 6, je suis le chemin, Nazanzela, la vérité, solo, et la vie. Bebomoy. Écoute, Yoka, si il est la vie, ce qui est Nebomoy, et tu manges son cœur, corps, tu bois son sang. Qu'est-ce qui est investi en toi? La vie. Bon moi. Pas seulement la vie. Kaka bon moi sa propre vie. Bon moi Yesu Christ penza. Na lingna sunga kondi manayo. Je veux booster ta foi. Boye bake. Epidémie oyo. Et koko affecte Yesu te ni toi. Amen. Pour que tu saches que cette épidémie ne peut pas infecter Jésus ni toi. Voilà pourquoi on a besoin de la révélation. Dans la tina, il y a Bososoli, tout le monde sait. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alobi Nazali, c'est la seule paix pour moi. Si, comme il est la vie,
Son sang récite la vie dedans. Son corps a la vie dedans. Yo lié. Toi tu manges. Et le connu de Kokotayo. Qu'est-ce qui est introduit en toi? La vie. Et la mort. Les épidémies apportent quoi? La mort. Mais si la vie est côté, la mort est côté qu'on va nater. La mort ne peut pas. Y'a qu'on a déclaré au Kangolami au Pisani. Tu es délivré. On s'a sécurisé. Au bas de l'ami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous croyez pas sur le pays en monde et au Kangolami non. De tanga qui classe. Nous avions étudié. Na classe ba ici tout ce que lié ma deso mingi ozo kotsa na nzoto na yo a protéine. On a lié protéine te na lié ma deso. Mais tengi ozo lié ma deso wana ezo kotsa protéine na kati na yo. So so ki tengi Yesu azabo moi ozo lié nzoto na yo ozo mila makila na yo. Et loko nini kokota na kati na yo. Bobo. On nous a appris à l'école, lorsque tu manges beaucoup les haricots, tu reçois des protéines. Ainsi, lorsque tu manges la chair de Jésus-Christ, qui est la vie, qu'est-ce que tu reçois? La vie aussi. Quelques années ici. Dans la sorcellerie. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ceux qui veulent dominer le monde entier. Vache-vol. Ils ont commencé avec la vache-vol. Vache-vol. Épidémie. Colère. Ne mange pas la chair. La vache. Yo peux comina. Sinon toi aussi tu reçois l'épidémie. Tu es contaminé. Nakatia, Nyamawana, Balobi, épidémie wana ivani. Dans cette olie et cotier. Dans cette viande, il y avait l'épidémie. Dès que tu manges sa chair, tu reçois. De même. La folie. Ce qui olie zoto ya Yesu. Si tu manges aussi la chair de Jésus, comment tu bois son sang, sa vie, tu le reçois. La mort n'a plus de place en toi. Amen. Voilà pourquoi le Christ a dit ceci. Je vous donnerai na kopé sabino, ma chair zoto nangai, pour la vie pour na bomoy, le monde. Et à mokili mobimba. Aibike tuzana monde. Il savait que nous étions dans le monde. Et on a besoin de la vie. Moi, je vous donnerai ma chair. Pour la vie. Aujourd'hui, je prophétise. Reçois la vie. Depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Tout ce qui s'élève contre la vie disparaît. Élis-moi. Dans ton corps, dans ton corps, dans ton système, dans tout ton système, dans tes organes, dans ton sang, dans tes os. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu a donné des grâces de dispenser les vérités cachées du royaume de Dieu. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Ce n'est ni par ma puissance. Mais par ma puissance. Mais par l'Esprit de Dieu. Si tu peux venir, si je n'ai rien écrit, si je parle. Je fais mes messages. Je ouvre seulement la Bible ici parfois. Ça vient de mon esprit. Est-ce que tu m'écoutes? La vie est réelle. Comme la mort est réelle. Mais écoute-moi. Comme lumière et ténèbres ne peuvent pas rester ensemble. La vie et la mort ne peut pas résider dans un même lieu. Dès que tu prends la communion de Jésus-Christ de Nazareth, il est la vie. La mort doit laisser la place à la vie. On a besoin pareil enseignement à ce temps ici. Jean chapitre 6, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Thank you for expression. Thank you for expression. Hallelujah. Jean 6, verset 45.
Nous parlons de la communion de son corps et de son sang. Alléluia. Amen. Verset 45. Jean chapitre 6. Il est écrit dans les prophètes. Et comme ami. Et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a attendu le Père et a appris de lui, viens à moi. 46. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu, celui-là a vu le Père. 47. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Maintenant, Azlobi va passer 48. Moi, je suis le pain de vie, pas je suis le pain des morts. Il est venu pour nous donner la vie, surtout à ce temps ici. Voilà pourquoi il nous a donné sa chair. 48. Moi, je suis le pain de vie. 49. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. Yoka. Mais, oh yo. Bakoufa kate. Amen. Mais ceci ne meurt pas. Ça, c'est pas la manne. Mais la manne était. Ça, c'est son corps. Mais ça, et son chair. Et son sang. Makilanae. Et il est la vie. Azali bomoy. Sa vie réside dans son sang et chair. Quand tu manges cette communion, tel que tu manges, tu introduis la vie. Tel que tu introduis la vie, la mort ne peut pas t'approcher. Parce que lumière et ténèbres vont dans les cigarettes. Si tu rentres chez toi le soir, les portes, tu ouvres la porte, tu trouveras qu'il fait sombre. Dès que tu finis l'interrupteur, dès que tu allumes l'interrupteur, pour les bêtis, la lumière apparaît, les disparaît, les ténèbres disparaissent. Par cette communion, j'ai introduit la vie en toi. J'ai introduit la vie de Jésus en toi. Tout ce qui est mort, yoso, et conduit ça à la mort. Tout ce qui amène à la mort, et disparaît. Et lis-moi. Tu es délivré. Tu es guéri. Tel que tu me suis. Prépare-toi, communion de son sang et sa chair. Donc, ça, Christ. Ne parle pas de théorie ici, on parle de pratique. De réalité. Solo. Je suis pas jeté. Alobi nazali. Kasi na o nazala kite. Je suis nazali présent et continu. Naza siko pe nazo koba. Le pain de vie. Nazali lipa ya bomo. Soko le lipa wana. Si tu manges de ce pain, son corps, makila naye, son sang, écoute ça na kati na bomo. Ça t'introduit en toi la vie. Ege olie madeso. Tel que tu as mangé les haricots, écoute si aux protéines. Ça t'a donné les protéines. Ya omoni bandoki. Voilà pourquoi les sorciers, mauvaise communion na ba diabolique. Lorsqu'ils donnent aux gens leur mauvaise communion, la même nuit, ils commencent à voler. Yango ki divinité na biso ya Yesu, il faut manifester na biso aussi. Et nous aussi devons manifester la divinité du Christ. Ceux qui ne peut affecter Christ ne peut nous affecter. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Alors que je suis comme le pain de vie. Non, alors, je suis le pain de vie. Il a dit, je ne suis pas le cola, lipa ya bomoy, albina zali, lipa ya bomoy. Maintenant, tu vois là, dès que vous venez à transmettre le pain de vie, ouais. Comment nous transmettra-t-il ce pain N'oublie de vie? N'oublie pas. Pour tous ceux qui nous suivent, je vous avais dit maintes fois, Dieu a la capacité transmettre sa puissance à travers des matériels. N'importe quel matériel.
On a versé sur quelqu'un. 1 Samuel 16, 13. La Bible ne dit pas que ma faute se peut la guérir. On a parlé du Saint-Esprit. Ici, Awa, la communion. Écoute. A donné la vie. Maintenant, on continue. Nous sommes combat. Alléluia. Amen. Continue. À partir du verset 48 encore. Jean chapitre 6, verset 48. Moi, je suis le pain de vie. Merci. 49. Vos pères ont mangé la manne au désert. Ça, c'est pas la manne. Ça, c'est la vie de Jésus. Hein? Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. Voilà. 50. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oh, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Oh, machalaba. Yoka tango bazo koufa à gauche, à droite. Yo koufate. Amen. Mi tombera à gauche, 10 000 à droite. Nalobi yo koufate. Amen. Amen. 51. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, yes, il vivra éternellement. Dans vie awa et après ici. Dans cette vie et la vie. Or le pain aussi que moi je donne, c'est ma chair. C'est ma chair, il a bien dit. Dieu utilise des matériels palpables, physiques, pour transmettre, communiquer. Amen. Communiquer sa puissance. Zambe assez la kabi. Tu as mangé la viande de la vache folle, mais tu as reçu l'épidémie. Comment mangerais-tu pas ce que nous mangeons tous les jours et que tu ne reçois pas la vie, s'il te plaît. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, oui, c'est ma chair. C'est ma chair. Laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Oh, ma sambrosende breni amarosha bali amahaya. Laquelle je donnerai pour la vie du monde. Osana ciel ou mais osana monde. Et tu sais. Satan a baba doki balobi banamike bakoko lia chenchente chan. Mais tanga Biblia na yon exode albi chaque famille bazwa anio mal son tache balia famille le lobi nini papa mama na bana botika kitoki wana. Amen. Les experts en religion ont interdit aux parents de donner la Sainte Cène à leurs enfants. Pendant qu'ils ont vu d'Exode 12, le Seigneur leur recommandait de manger en famille. Quand on parle de la famille, on voit père, mère et enfant. Mais ce qui est commis, kidoki, bazo le sabana na bino. Mais quand il s'agit de la Sainte Cène, mike, bazo pesa ma kidoki. Nanzela biloko akolia. Mais le commis Saint, tu vois, les enfants ne peuvent pas prendre les chenchen. Mais quand il s'agit de la Sainte Cène, quand il s'agit de la sorcellerie, nous voyons que nos enfants sont nourris de la sorcellerie. Il ne peut pas prendre la Sainte Cène parce qu'il n'a pas encore baptisé tout, tout. Ok, tant que vous avez la Sainte Cène, chaque famille, est-ce que vous avez la mer rouge ou la Bible est lobby, il y a un monde de baptême d'eau. Vous avez la Sainte Cène d'abord avant de vous la mer rouge. Amen. Boutika Bissot, va expert en religion Bando qui boutika. Amen. Et il nous prétexte en disant que l'enfant ne peut pas manger la Sainte Cène s'il n'est pas encore baptisé. Mais nous avons vu dans Exode, les enfants ont mangé la Sainte Cène avant de passer par la mer rouge qui était comme le baptême. Ce qui est symbiose, c'est-à-dire aux amants qu'on a.
Si ça t'a touché, donc tu es l'un d'entre eux. Sinon, vérité de Ozoyokawana. C'est la vérité que tu entends. Bah, les saints saints. Ils ont mangé la Sainte Seine avant de traverser la mer Rouge. C'est ça le baptême. Donc, Paul nous dit que c'était pour eux le baptême. Chaque famille, s'il te plaît. Libota, papa, maman, nabana. Père, mère et enfant. C'est ce qui construit famille. Yango ne te bengi libota. C'est cool. Associé. Alléluia. Nazela communion. C'était communique. La vie de Jésus-Christ de Nazareth. Je te communique la vie de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Prenez-les en famille si vous voulez. Tango midi, mais pourquoi? C'est un mystère du royaume. C'est la vérité cachée. Pour nous conquérir la vision de la misère de la vie. Pour nous délivrer des misères et bon. Continuez. Verset 52. Oui. Les Juifs disputèrent donc entre eux disant, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Voilà. 53. Parce qu'on comprend comment il peut nous donner sa chair à manger, mais aïe quoi expliquer bango après que non, baso kapiloko, eza la mapa, eza la fufu, eza la mikate, eza la bonbon, na iloko ba melaka, mai. Breuvage, pas tonton, na tanti, non, pas akene, wana, pas pamboli, albi wana, et komi, zotu nangana makila, albi, yonso eza nourriture. Tout ce qui est nourriture, c'est qu'on peut manger et boire en tant qu'enfant de Dieu, on peut les bénir pour le bénir. Fufu na yo, wana, na kwanga na yo, avant ou léa, comme ça, go zotu a Yesu. Ton fufu et ton tachikwa, na yo, comme ça, go makila. Rassemblé par le corps de Jésus. C'est simple. L'eau par le sang. Simple. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons, nous marchons par la foi. La dispensation de la foi. Alléluia. Amen. Tanga. 53. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Ok. Alors, ceux qui t'ont lié en côté, autres n'ont pas maquillé ni tous en abo moité. Mais ceux qui t'ont lié tous en nini. Il a dit si nous ne prenons pas la Sainte Seine, nous n'avons pas la vie. Mais si nous prenons, nous avons la vie. Kindokio yoba ezo boma mokili mo. La sorcellerie qui tue le monde. C'est la mort. Ils ont couffé. Mais ici, parce qu'ah. Après ce sont antidote. Il nous a donné l'antidote. Amen. Il nous a donné l'antivirus qui est son sang et sa chair. Ça nous donne la vie. Voilà pourquoi tu vois des gens comme nous. Au nom de Jésus, nous nous rajeunissons. Il y a la force en nous. Oh, yes. Amen. Parce que nous avions compris que toute la gloire. Ce n'est plus moi d'ailleurs, c'est moi qui vis. Comme Paul a dit, c'est Jésus qui vit à travers de moi. Et la vie que j'ai menée ici, je la mène par ma foi en Christ Jésus. Tout le temps, nous avons la communion. À chaque fois que je mange la communion, mon corps devient son corps. Et le sien devient le mien. Nous devenons un. C'est la Paul à l'obi. C'est Paul qui vit. C'est Jésus qui vit. Et si c'est Jésus qui vit, ce qui est Nazobika, c'est bon, c'est fléau, ne peut pas affronter. Connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Je veux que le monde m'entende. Yes. Jésus est la réponse du monde. Jésus est la solution. Yene solution à Mokili. Les rois de ce monde obéiront, croiront en Jésus-Christ. Lorsque leur intelligence arrivera fin, ils s'humilieront devant Christ. D'autres s'enfuiront contre la colère de Dieu, mais ils ne sauront où se cacher. Alléluia. Amen. Ok. Verset 54. Celui qui mange ma chair. 53 encore, s'il te plaît. Verset 53. Oui. Jésus donc leur dit, en vérité, oui, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous-même. So, nous sommes condamnés selon notre sauvage, Jésus-Christ de Nazareth,
de manger la communion de sa chair et son sang. To tini kamina mokonzi na biso to li ya nzoto pe to mela makila na ye. Pa oyo ba expert la religion ba la kisbiso. Non pas ce que les experts la religion. Sans révélation. Oui, zangie moni seli. Et comme une religion. Et comme une ango maseki. Oh, zokande. C'est quelque chose qui donne la vie. Et zai loko pe sa kabomo. Pas n'importe quelle vie. Bomo ya pamba pamba te. Pas la vie des animaux. Bomo ya banyama te. La vie de Dieu. Bomo ya nzambe. Amen. Continue. 54. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Allez. 55. Uh-huh. Car ma chair est en vérité encore. Un aliment. Car ma chair est en vérité un aliment. Encore. Car ma chair est en vérité un aliment. Uh-huh. Et mon sang est en vérité un breuvage. Et là, on dit dans le Bavana. Qu'est-ce qu'il dit là? Car ma chair est en vérité un animal. C'est-à-dire, et mon sang est en vérité un privage. Biloko oyo to melaka. Alobi, Zotonanga et Zali Bilei Otoliaka, ma chair est en véritable un aliment. Et puis ma kila nanga isa oto melaka. Solo. Tanganga baba si mousus na lingala, s'il te plaît. Lingala verset 47. Oui. Nazali kolobanabino ya solo. Moto oyo andi makangai azali na bomoi ya seko. Verset 55. Verset 55. Otanya ote debuka la sepa maintenant. Yes. Nazali kopesa nzoto nangai po bato balia yango solo. Voilà. Pe nazali kopesa makila nangai po bato bamela yango solo. Alléluia. Amen. Tokei. Verset 56. Moto oyo aliaka nzoto nangai pe amelaka makila nangai biso na ye tozali moto moko. Oh, révélation mususu ya Mungu. Amen. À cause de la communion. Pona communion. A komi yo yo komi ye. Il devient toi, toi tu deviens lui. Nalobi a komi yo yo komi ye. Tu deviens lui, lui Nalobi devient toi. A komi yo yo komi ye. Il devient lui, toi tu Vous deviens Jésus. Ensemble. Vous devenez un. Maintenant, est-ce que Kidokio yo 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 yo? Est-ce que c'est le virus? Est-ce que le virus peut demeurer dans la chair de Jésus? Nani ye yo. Qui est Jésus? C'est toi. Neko. Bien aimé. Ce que le foufou n'a pas aimé. Si tu as mangé le foufou, et les légumes, ça entre où? Dans ton système. Quand on a pas on a foufou n'a pas aimé. Quand tu manges, est-ce qu'on voit le foufou? Non. Mais c'est en toi. Amen. Vous devenez un. Et mélanger dans le système. C'est mélanger avec ton système. De même. Ce qui est les autres. Quand tu manges sa chair, tu bois son sang. Ye a komi yo. Lui devient toi. Yo o komi ye. Toi tu deviens bomo Jésus. Ye, sa vie entre en toi. Et puisque bomo ezali, et là il y a la vie. La mort ne peut pas demeurer. Est-ce que tu comprends? Je croyais que Nassina Bibis. Nasina expliqué à Gona niveau ya simplicité oyo atamu tu yoso akoko soso. Vraiment je l'ai expliqué terre de façon terre à terre pour que tout le monde comprenne. Celui qui mange ma chair. Oya lienzo tonanga 56 qui boit mon sang. Pe ameli makila nanga. Demeure en moi et moi en lui. Akovana kati nanga nga pe na kati na ye. Demeure en moi, moi. Moi qui ai la vie du monde. La vie. Verset 56. Moto oyo aliaka nzoto na ngai pe amelaka makila na ngai biso na ye tozali moto moko. Na lobi na lakeli virus oyo mabe na lakeli maladi wana mabe. Eza la cancer, eza modi na zoto na yo. Amen, je maudis ces virus, même les cancers dans ton sang, ton corps. Ça ne peut pas demeurer. Là où il y a le corps de Christ. Alléluia. Amen. Zoyoka. Zoyoka, pèse moi na kindoki. Nan zile mauvaise communion na ma. Si on donne la mokon.
Cette même nuit, il manifeste la sorcellerie. Pourquoi nous doutons à la parole de Dieu? C'est ça la sorcellerie de Jésus. Mais c'est supérieur à la sorcellerie de Satan. Amen. Oh, ma chekede, tanganga version 56, parole de vie, parole de vie, seven. Parole vivante, verset 55, oui. Avec commentaire. Oui, oui. Banina 53, commentaire. Ce que nous mangeons, nous nous l'assimilons. Yoka bien. Tokomina ngonga moko très sensible na makam na bikolo. À propos de la communion, ok. A komi yo, yo komi ye. Il devient toi, toi tu deviens lui. Dans la communion. Par la communion. Yoka, référence, ya, parole vivante. Vivante. Suis bien cette référence, c'est parole vivante. S'il te plaît, concentre na makambo yo. Et l'obéissance. Ça dit tout. Ce que nous mangeons, nous nous l'assimilons. C'est-à-dire que cela devient partie intégrante de nous-mêmes. Tango le matembele na fufu. Quand tu manges le matembele fufu, et tu cales libanda. Est-ce que c'est le matembele extérieur? Continue Kati. Ça entre en toi. Et comme partie intégrale yanzotona. Et comme éteint yanzotona. Atoke na songolo munene. Même si tu vas à la toilette. Obimisa kaka muke 10%. Tu ne verras sortir que 1%. Même pas mususu ekei wapi. Mais le reste est parti où? Il faut mon abatata mususu soki soto. Hey, soki bazo dame fufu. Ils ont montagne Kilimanjaro. Mais akosi lisa yango ekoti. Yo sauté et bimakana tongolo muneni kamuke siko bamususu wana eke wapi ekomi partie intégrale yango mona bazo vimba libumbu naza mona na ngai moko tala libumbu li ale akafuna 7 du matin yango akomi na libumbu après des années. Amen. So ki azalaki awa fale nalo baba filmé e pomona e so biloko to liaka. Ce que nous mangeons et comment la partie intégrale yanzoto na biso devient la partie intégrante de notre corps. Aza sauver les lokia azala ki awate. Il a la chance de continuer. Continue. Ce que nous buvons pénètre toutes les fibres de notre être. Voilà. Yanzoto liaka, yanzoto melaka et pénètreka fibres de notre être. Tina misisa, tina makila, tina mikwa et kotaka. Sikoyo communion yo pe tango yo soliaka esala kanini ekotaka partout ata maladie evandi na kati ya makila ekosukola yango. Même si tu avais des maladies ekopega na yango ça le chassera, ça le parce que ye azabo moi parce que Jésus est la vie. Malade wana ezaliwa la maladie et la mort et ba kumba le bavanda kana isika et la vie et la mort ne demeurent pas ensemble. Continue papa. La chair et le sang de Christ constituaient sa vie physique. Oyoki. La chair et le sang de Christ constituaient sa vie physique. Ça n'a été que spirituel. Non physique. Tango azalakiawa avec tango yazalakiawa namabi. Est-ce qu'il y a Belaki? Non. A défié loi et nature. A mené vie moko miraculeuse. Amen. Et vie à Bengibiso Yangwana. L'œuvre que j'ai fait vous aussi même plus grand que ça. Nous appeler à cette vie-là pour ça coûte que les gars ça la continuez bandela place one. La chair et le sang de Christ constituaient sa vie physique. Voilà. Le sang répandu nous parle de sa mort sur la croix. L'apôtre Paul nous expliquera que Jésus n'est pas seulement mort pour nous. Nous sommes aussi morts avec lui. Voilà. Pour que sa vie puisse se manifester dans notre corps. Manger sa chair. Voilà. Et boire son sang signifie donc mourir avec Christ et vivre de sa vie, faire notre sa mort pour qu'elle pénètre toutes les fibres de notre être intérieur et y fasse mourir les tendances de notre homme naturel. Maman alika moyawana tango les sensen. Lorsque tu manges la sainte scène, ça entre en toi. Comme lui est la vie. Le kola ya zawo kota, quand ça entre, et qu'on fait mourir toute tendance, comment? De notre homme naturel. Toute tendance de comment? De notre homme
naturel. Et tu es souvent malade. Ça c'est tendance homme naturel. Communion et ça nini et qu'on fait mourir. La tendance naturelle. Et qu'on boma le lengue est bela bela lelo oyo virus et qu'on zala et qu'on kufa. Je sais qu'on kufa. Révélation, maman elle capoya. Continue papa. Afin que la vie de Jésus puisse transparaître au travers de la nôtre par son esprit vivant en nous. Alléluia. Amen. Vie naïe, et ça va nini? Et transparaître. Et monana nanzela. Et monana nanzela nabiso. Nanzela nini? Communion. Par la communion. C'est-à-dire, et loko eko vanda te maladie, virus, yon eko vanda te nanzoto naye, eko vanda te nanzoto naye. Le virus qui ne peut pas demeurer dans le corps de Jésus ne demeurera pas aussi dans ton corps. Ok. Ce qui va l'obé moutoua, comme il y a cholestérol. Cholestérol est outa kabi. Yo se moni mouna mouke, ah, bon, tami le loua zan cholestérol. Cholestérol est outa kana, accès, trop de graisse. Ozo lia biloko ya graisse, ozo lia. Après quelques temps, quand il y a cholestérol, on va mettre ça, on va coller le crasse, on va maki, maki, celui à jaune, coller, on va comme on va faire, 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 et le wana, dengue aux olia, il y a un des autres, mauvais cholestérol, comme il y a la crasse, et bien dans les autres. Lui, il est la vie. Quand tu manges sa chair, tu introduis la vie en toi. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai tout dit. C'est ça, comme ça, tu continues à prier. Ma chair est vraiment une nourriture, signifie donc s'assimiler la vie du Christ. Voilà. Et reproduire dans notre vie les qualités qui ont caractérisé la vie de Jésus ici-bas. Bandela. S'assimiler la vie du Christ. Bandela na place et Bandeloana. Ma chair est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment comment? Une nourriture. Ça signifie donc s'assimiler la vie du Christ. Reproduire dans notre vie les qualités qui ont caractérisé la vie de Jésus ici-bas. Communion oyo et tout reproduit. Nini? Vie, ma qualité ou est caractérisée. Qualité oyo est caractérisée et mon ami na vie a yé sous tangwa zalakia. Et yé a bela kite a vivra ki en bon santé. Il n'était pas malade, il a vécu en très très bonne santé. Ce sont là les qualités qui ont caractérisé sa vie sur terre. C'est-à-dire dans la communion. Par la communion. Aux autres soit injection. Tu reçois le vaccin. Vaccin. Il y a qualité, il y a vie, il y a Jésus. De la vie de Jésus. Ce que maladie ne couvre pas. Quelle maladie peut demeurer dans ton corps lorsque tu es vacciné? Ce qui nous tue. Oui, ce que m'abîme. Manque de connaissances. Manque de révélations. Peut te donner mon essentialité. Voilà pourquoi Jésus a dit. Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité. Voyez ma solo. Et la vérité. Et solo. Vous affranchira. Et pourquoi nous l'ayons? Je prie pour toi. Tel que tu reçois cette vérité. Toute ta vie change. Tout ta vie change. Là où la vie entre, la mort ne peut pas rester. Bien-aimé, je croyais que vous êtes béni. Na à travers de cette révélation. Na nous autres le bien. Jésus a joué privat dans Luc chapitre 22 verset 19 et 20. Il a pris le privat, il a béni, il a dit ça c'est la nouvelle alliance dans mon sang qui est versée pour vous. Il a pris le pain, il a béni. Ça c'est mon corps qui est donné pour vous. Fais ceci à ma mémoire. Ayez bien le connu ni azo sala. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Alégui a reproduit. Na kati na yo nangai sa vie exact. Il voulait reproduire en toi et moi. Bon moi na ya solo solo. Bien aimé. Moling ami. Alobi, je vous donnerai ma chair pour la vie du monde.
Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Hosanna, hosanna, à l'agneau. Hosanna, hosanna, Jésus mourit et ressuscite. Hosanna, 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 à l'agneau, à l'agneau. Jésus, oh yes.
C'est une bonne nouvelle pour toi. En ces temps-ci, toi qui me suis, peu importe le temps que tu me suis le matin, midi ou le soir, je voudrais te dire si Jésus il était mort et ressuscité, tout ce qui était mort dans cette communion, ressuscite. Tout ce qui tue disparaît. J'aimerais que tu places devant toi. Il m'a donné l'ordre de bénir. Nombre 23, verset 20. Nombre 23, verset 20. Alors, tout ce que nous bénissons est béni. On ne peut pas révoquer. J'étends mes mains. Na pamboli communion oyo lelo. Je bénis ta communion aujourd'hui. Tout ce que nous mangeons. Tout ce que nous vivons. Que tu as placé sur ta table. Communion. Je la bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, je la bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na transformé en go et comme une zoto naïe et comme une makila naïe. Na bambolyango na zoto be makila na Yesu. Na komisi en go zoto ya Yesu Masia makila na Yesu Masia. Je le transforme en corps et en sang de Jésus-Christ. Et dingue toujours participer na communion oyo. Et tel que tu le manges et tu le bois. Na kotsi bomo ya Yesu na kati na yo. Je te transmets la vie de Jésus na kati ya makila. Dans ton sang. Na kati ya mikwa. Dans tes os. Na kati ya mutema. Dans ton cœur. Na kati ya rein. Dans tes reins. Na kati ya poumon. Dans tes poumons. Bisika yoso. Partout. Na kotsi bomo. J'introduis la vie. Yoso e conduisa ka la mort. Tout ce qui amène na à la mort. Na pesi ango metindo. Je l'ordonne. Par le nom de Jésus-Christ. Et disparaît. Élis-moi. Et na décrété l'obiko na biro. Et je décrète na décrété guérison. L'obiko. Na décrété miracle extraordinaire. Au nom de Jésus, vous êtes béni. Vous êtes guéri. Au nom puissant de Jésus. Communion est reproduit na katina yo. Et bota na katina yo. Est reproduit na katina yo. Et bota na katina bino. Toute qualité. Ya vie ya Yesu Masia. Makasi ya Yesu Christ. Toute qualité. Oye zo moni za manavina ye actuel eza la partage na yo. Nyonso malamu na kata yetu sikoyo ekota kati na yo. Abela kate. Il n'est pas malade. Malade la kela mina. La maladie est maudit en toi. Liwa e kokuvanda te parce que mo kwa za bomo. La mort ne peut pas demeurer parce que la vie. Liwa na nzoto na yo na lobi disparaît. Tout ce qui est mort en toi disparaît. Yamba bomo. Reçois la vie. Yamba lobiko. Reçois la guérison. Na minute oyo. Maintenant. Na déclaré. Je déclare. Communion wana. Cette communion. Les alisus et loko matériel pa matériel comme pesa. Nzoto ya Yesu na makila na Yesu. N'est plus que la nourriture ou à quoi boire, c'est le corps et le sang de Jésus. Tango azui mapa. Lorsqu'il a pris le pain, azui breuvage, il a pris ses copains pour apamoli, il a béni. Alobite ke oyo eza lokola. Il n'a pas dit c'est comme nzoto nangai, mon corps, ni lokola makila, ni comme mon sang. Atali bango. Il a regardé. Ça c'est mon sang. Il a dit c'est et makila ça nangai. C'est ma chair. Pe oyo eza nzoto nangai. De même. Communion wana. Ta communion e devient son corps makila na e. Et son sang. Ouvre
Célébrons-le maintenant. Commence à manger à Dieu. Toi et toute ta famille. Et tes enfants. Et déclaré, je déclare. Et décrété, je décrète. Un miracle. Il y a quelqu'un qui me suit. Un problème à cancer. Tu as un cancer. Mon Dieu t'a guéri des cancers. Amen. Je vois cancer. Par cette communion, tu es guéri. Pas sinon, ce réseau disparaît. Tout douleur dans ton corps est libre. Cancer est libéré. Tu as un problème de cancer au niveau de ton sang. Sang. Vous avez un cancer en maquille. Bah, tu y en sont concernés au Bikisab. Toutes les personnes ont été libérées au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Ozawana, ozola nangai. Tu es là, tu me suis. Libanda yamboko. Tu es en dehors du pays. Ozo lia communion. Tu manges la chair et le sang de Jésus. Sami. Tu es guéri. Na kindoki oyo na liko tanga kombo na ete. De ce fléau, de ce virus. Kosuko ozuana et disparaît. Ces problèmes de tout disparaissent. Et ton souffle revient normal. Kangolami au Bikisab. Ta respiration revient normal. Na kombo na Yesu. Tu es guéri et délivré au nom de Jésus. Nazo annoncer ce que Dieu me révèle. Nazo loba ce que Dieu azo la kisangai. Rhumatisme. Ozana ma problème na makolo. Genou. Na ma genou na yo. Na articulation. Na articulation. Biki sami o kangola. Tu es guéri, tu es délivré. Na zela ya communion. Par cette communion. Yambalo biko na yo. Reçois ta guérison. Na tanga kana yo na tanga yango. Que je cite ton cas ou pas. Yambalo biko na yo. Reçois ta guérison. Yamba délivrance na yo. Reçois ta délivrance. Makelele. Tu as des problèmes de bourdonnement. Makelele. Des bourdonnements. Obiki sami o kangola. Tu es guéri et délivré. Bien-aimé. O lingami. Depuis na bandi. Depuis que j'ai commencé émission live, c'est une émission live. Ça, c'est la première fois que Dieu va me parler. Amen. Ainsi. Et Zambali, bon, Zambali, bon, Zambali. Ce qui se passe maintenant, c'est plus moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je suis dans mon office prophétique. Reçois ta guérison. N'attends qu'à na yo, n'attends qu'à moi. Je suis ton cas ou pas. Ozawana, ozana lourdeur. Na niveau ya kingo na mutu ezale tozo mema eloko moko kilo. Tu as de l'odeur au niveau du cou. Tu sens un lourd fardeau. Zamenanga longoli poa wana. Mon Dieu a dégagé ce fardeau là. Sami o kango la mi. Cette douleur au cou est partie. Na Yesu Masi. Au nom de Jésus-Christ. Toute température oyo est mati annexée na kitisi yango normal. Amen. Na zela communion. Monte na yamba délivrance. Ekita, tu es guéri. Yamba délivrance. Reçois ta délivrance. Yamba délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Merci mon Dieu mon. Ma donne mon compte pour il est un cas. Ezana lika mosus. Bekeima. Obeta ka monoko. Bekeima. Ozana likukuma. Na modir molimu mwana na likukuma. Je maudis cet esprit de bekeima. Na pameli ako na kombo na Yesu. Je maudis. Au nom de Jésus-Christ. Tel que tu imposes tes mains au niveau de la gorge. Molimo wana esprit wana. Cet esprit de bégayement. Et sala ke o bégayaka. Qui te fait bégayer. C'est la chasse dehors. Na pengali yango libanda. Et na déclaré au bikisami au kangola. Je déclare tu es délivré. À partir maintenant au sol loba normalement. Dès maintenant tu parleras bon. Mokiliba komona yoyo bayebi obakukamwa. Le monde sera étonné par. Yesu akangoli olelo. C'est miracle que Jésus fait pour toi. Et c'est bégayement. Au nom de Jésus. Komo na Yesu. Bien aimé. Molingami. Nangonga oyo. Maintenant. Va profiter quand. Il faut profiter. N'attends qu'à naio. Que je cite ton cas ou pas. Imposer ma boko naio. Tiens le boko naio. Na minute oyo. Maintenant. Tel que je prie en langue. Et imposer en gona biscayo sur lingi. Imposer partout sur. Biscayo sozo yo kamale. Là où tu as mal. Et zambe nanga zo biksa. Et mon Dieu va te guérir. In the name of Jesus. Na komo na Yesu. Au nom de Jésus. Komo na Yesu. Me kalaba chante lebe. Yes. Imposer ma boko naio. Marche keli babosh. I kapala tasasada. E kaluba chantelima musantalia e lusa te kalune mekelia pala tuze hila engre ni kalusta pando oskalima mo shalia ma hostalia ya ayende bronia la mando soso bronia tal amen englos koli ande alima oya la ikelia ma atos ke ni kalune ina mo hila la yotaya Landos ulst al el al ol e ilimile ala la osteli a ilia ma ai kalata. Amen. Isconde ini kanantoni tane talin medu. Mini anima nune na maina na moshimia. E kalas sozo prodia masha. O bikisami. Tu es guéri. O kangola. Délivré. O bikisami. Guéri. O kangola. Délivré. Yamba. Reçois. Écoulement.
cet écoulement de sa puissance au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus Christ. Amen. Si tu es touché par la puissance du Saint-Esprit, appelle-nous par ce numéro. C'est le seul numéro. Numéro de contact. Yes. Appelle-nous. Sur WhatsApp, envoie-nous ton témoignage audio et image na yo, ya vidéo. Audio et vidéo. Pour Mokiliba Mona, s'il s'agit de confirmer ce qui est sur Azar réel, t'es na vie na yo. Yo Mokoko explique Bango et le connu de Yesu Masia à Sali na vie na yo. Si le monde veut poser des questions, ils pourront te poser des questions. Et Beléo et Babu qui s'amène à Corona. Beaucoup qui sont guéris de Corona. Bango. On les appelle. Répondre. Et aussi témoigne. Moi je suis là. D'autres sont en Europe. D'autres à l'intérieur. Mais Dieu a agi. Parce que Jésus est vivant. Amen. Toi aussi tu vas témoigner. Nous attendons témoignage. Ton témoignage. Yes. Que Dieu vous bénisse. Ça l'a branché. Demeure branché. Ça l'a connecté. Sois connecté. Et mon Dieu va te visiter. Et nous à chaque instant. Au nom de Jésus. N'oublie pas. Communion. Cette communion. Rends-les comme tu veux. Il n'y a pas d'excès. Si ça veut finir, tu ajoutes. Ils ont déjà sanctifié. C'est déjà béni. Mais rends-les le matin. Na midi, à midi. Et na boko. Le soir. Yona toi et ta famille. Vous êtes béni. Ou pas moi. Je vous aime beaucoup. La que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. N'attends Tikana prophétiser na vie na. Na sakola na boya. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko epomi tata na yo ekopoma yote. Eloko epomi mama ekopoma yote. Ya ye. Les jours de chaque action. Bonne nuit. Passe quoi? Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sous cette terre. C'est moi qui bat la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe a parti à l'élo na commission intouchable? Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo na linie ya batu ba isapa makambo ya denye wa na linie ya batu ba isapa makambo ya denye wa.